Aujourd'hui, je vais vous présenter Kahoot, qui est un site web qui permet de rendre plus ludique et plus attractif des quiz en classe, des quiz interactifs. Donc, avant tout, il faudra que vous créiez un compte sur create.kahoot.it. Et donc, après votre inscription, lors de votre première connexion, vous arriverez sur cette page d'accueil. Donc sur cette page d'accueil, vous trouverez My Kahoot. Donc là, vous pourrez trouver les Kahoot que vous aurez conçus de A à Z, ou aussi retrouver les Kahoot que vous avez trouvés dans les publics Kahoot et que vous voulez modifier. Ensuite, la deuxième partie, public Kahoot, qui est donc tous les Kahoot que les collègues ont pu faire. Donc il y en a beaucoup en anglais bien entendu, mais vous pouvez faire la recherche dans la langue souhaitée. Donc par exemple, moi je travaille sur les Aztèques avec mes élèves en ce moment, donc Los Aztecas, All Audience, All Kahoot, au moins j'ai tout. Et donc là vont apparaître une multitude de Kahoot déjà créés. Donc voilà, sachez que vous avez la possibilité de les dupliquer en cliquant ici. Et que vous pouvez aller voir aussi à l'intérieur les questions ainsi que les possibilités de réponse choisies et la bonne réponse, le nombre de secondes attribuées à chaque question et le choix, donc de 2 à 4 possibilités de choix. Donc si vous voulez le jouer directement, il suffit de cliquer sur play. Moi je voudrais aussi vous montrer donc, par exemple comment dupliquer un Kahoot déjà existant. Donc celui-ci, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais on va essayer, donc dupliquer. Donc à ce moment-là, vous voyez, il a atterri directement dans My Kahoot, created by me, mais il est spécifié draft, donc brouillon, ce qui veut dire que je ne l'ai pas encore modifié. Donc pour le modifier, je vais cliquer sur Edit. Donc vous voyez, la question apparaît. Donc ici, vous avez la possibilité d'attribuer des points ou pas à la question et de sélectionner le nombre de secondes souhaitées. Vous pouvez aussi aller choisir une image, allons-y, donc en format image bien entendu. Donc voilà, par exemple, ça n'a rien à voir, hein, mais voilà le drapeau de l'Espagne. Et donc ici, vous voyez les différentes possibilités de réponse ainsi que la correcte. Donc ici, les différentes diapositives et différentes questions. Si vous souhaitez en supprimer une, il faut aller dessus. Donc par exemple, la troisième ne m'intéresse pas, quoiqu'elle est tout à fait pertinente, mais je la supprime, donc delete. Ou je peux en rajouter une en rajoutant une question. Donc par exemple, voilà, je ne sais pas, les Los Aztecas. Conocían a los mayas. Donc voilà, là je me dis que 10 secondes ça suffit et que je ne veux que deux réponses. Donc je les supprime. Si, oh non, je note ma bonne réponse. Et voilà, j'ai terminé. Donc ensuite, il suffit de cliquer sur Save and Continue. Vous pouvez revoir de nouveau vos questions. Vous pouvez aussi les remodifier au niveau de l'ordre. Donc voilà, par exemple, l'Espagne, je le veux un petit peu plus loin. Enfin, voilà. Et lorsque vous avez terminé, Save and Continue, ou si vous avez vu des erreurs, vous pouvez aussi éditer les questions et revenir juste avant. Save and Continue, donc ici, sélectionnez la langue. Je ne vous conseille pas forcément de noter la langue ici, puisque en général, ça perturbe un petit peu la recherche. Donc, pour avoir le maximum de possibilités de recherche laissées en anglais. Donc ici, donc la privacy donc, au niveau privé ou public, et à qui est destiné ce Kahoot. Le niveau de difficulté, et je continue. Je peux mettre aussi une couverture à mon quiz. Donc, allons rechercher, par exemple, mon drapeau espagnol, le temps qu'il charge, et ensuite, vous avez terminé. Bon, voilà, normalement, il charge, mais là, il ne charge pas, c'est pas très grave.
Donc voilà, et vous avez décidé de le jouer tout de suite. Sachez que sinon c'est vraiment facile, vous retournez directement sur votre Kahoot et vous appuyez sur Play Now. Donc là, je vais cliquer dessus. Donc ça, c'est la démarche que vous allez effectuer lorsque vous allez arriver en classe avec vos élèves, pour que vos élèves puissent jouer tous ensemble à Kahoot. Donc, Launch pour commencer le jeu. Moi, je ne change pas les options possibles ici. Maintenant, c'est à vous de voir. Donc voilà, pour commencer le jeu, donc là, les élèves sont invités à prendre leur smartphone ou leur tablette. Allez sur le kahoot.it et indiquez le code PIN qui apparaît. Donc ici, le 876123. On va leur demander un nom de joueur. Donc moi, je vais noter SIA et vous allez voir que mon nom va apparaître sur l'écran. Mais voilà. Donc vous verrez vos élèves apparaître sur l'écran un par un. Lorsque tout le monde est prêt, start. Donc voilà, le temps apparaît ici et les élèves ont à l'écran juste les quatre couleurs, rouge, bleu, jaune et vert, avec les petites figures, mais ils n'ont pas les possibilités de réponse. Ils doivent regarder directement sur... donc j'ai mis au hasard et j'ai réussi... Ah non, et j'ai eu faux. Donc voilà, et donc ensuite c'est le professeur qui appuie sur Next pour avoir les résultats, et donc forcément j'ai mal répondu. Voilà, next ensuite, et on atterrit sur la prochaine question. J'espère que ce tuto vous aura aidé et vous donnera l'envie de faire des Kahoot en classe, parce que les élèves sont vraiment motivés à faire ce type d'activité interactive. À bientôt!